Salut à tous, aujourd'hui revue liquide. On va partir en Malaisie et on va aller voir les liquides de chez Monsieur Likey. Alors, ces liquides-là sont disponibles au shop de Miss & Mister Vapo. Je vous mettrai le lien pour pouvoir trouver le liquide. Alors, ils m'ont très généreusement envoyé un petit liquide comme ça pour que je puisse goûter et faire mon avis. Et c'est un liquide que j'adore. Ils ont pensé à moi parce qu'ils savent que j'adore les pastèques. Tout ce qui est pastèque, melon, ce genre de choses. Donc là, on est sur un... ce liquide-là, on est sur le Ornidev. Désolé, moi, l'anglais, ça fait deux. Me tuez pas, s'il vous plaît. Donc, c'est un liquide pastèque et de melon avec une touche de fraîcheur. Alors, les liquides malaisiens avec une touche de fraîcheur, ça me fait toujours hyper peur. Pourquoi ? Je trouve ça dommage. Ils ont des fruités, mais juste excellents. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de coulada. C'est qu'en fait, moi, j'arrive pas à les vaper parce que justement, il y a trop de coulada. Donc là, on est en liquide en 80 VG, 20 PG. Donc on est là pour faire un petit peu de nuage. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, déjà, on fait un très beau nuage. On a une superbe saveur qui reste longtemps en bouche. On a... Pour moi, j'irais sur un melon d'Espagne. J'irais pas sur une pastèque. J'irais vraiment sur un melon d'Espagne. Des petits melons jaunes en forme de ballon de rugby. J'adore. Tout simplement, j'adore ce type de fruité. C'est ça que je reprochais au liquide malaisien. C'est que, être trop frais, ils ont de super bons melons, de super bons fruités. Mais le problème, c'est que c'est tellement frais. Et là, justement, le shop a retravaillé avec cette marque-là pour diminuer le coulada. C'est-à-dire que normalement, on est à 8% de coulada dans ce type de liquide, ce qui est vraiment énorme pour nous. Et là, ils sont à peine à 2%. Moi, ça me va très bien. Limite le coulada, la petite fraîcheur, elle passe bien, même si c'est pas vraiment trop frais. Comment expliquer ça au niveau de la fraîcheur? Je m'attends pas à un truc qui carache. Voilà, on n'a pas un truc carache de fraîcheur. Non, ça passe bien. Les deux vont bien ensemble. Même au bout d'un moment, la fraîcheur, on la sent presque plus. On fait une belle vapeur avec une bonne saveur. Voilà, là, ce liquide-là malaisien me réconcilie avec ce type de liquide-là, justement, rien que pour la fraîcheur qu'il y a au moins. Ça, j'en avais déjà parlé sur mes autres vidéos. Je remercie franchement le shop Miss & Mister Vapo pour justement m'avoir fait découvrir ce liquide-là. Pour le moment, à l'heure actuelle, ce n'est disponible que chez eux, puisque ils ont fait, vous avez pu voir, ils ont été en vacances il y a quelques temps. Et ils étaient là-bas, et donc du coup, ils ont pu faire rencontrer certaines personnes. Donc, c'est vraiment disponible que chez eux, vous ne retrouverez pas ailleurs, pas sur d'autres sites ou quoi que ce soit. En plus, au niveau tarif, on est très correct. Les 120 ml sont à 45 euros, ce que je peux voir. Pour du liquide malaisien de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher. Voilà. Je pense que ça va. Les deux autres liquides, je vais sûrement peut-être les acheter pour les goûter par curiosité. Ils sont disponibles aussi en 30 ml. De toute façon, pour ceux qui me suivent, ceux qui sont sur la guilde, vous allez voir, je vous donne une petite exclu. Il va peut-être pas tarder à y avoir un concours pour cela. Mais j'ai rien dit. Voilà. Allez, sur ce, moi, c'est mon petit retour sur ces kits-là que franchement, j'adore énormément. Ils sont disponibles en 0, 3, 6 et 9 et 12 mg de nicotine. Pour un 3, on a un 3 un léger qui passe bien. On va pouvoir faire des beaux clous avec. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne soirée. Salut à tous!